Et bienvenue sur la chaîne de Zonigatine pour nous rendez-vous sur Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver pour du Naruto. Puisque la première vidéo vous a énormément plu, il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit de continuer. Et donc bah c'est parti, on va faire une autre vidéo. De toute façon, même s'il y en avait qui me disaient d'arrêter, j'aurais continué parce que j'adore Naruto. Donc... aujourd'hui, donc je vous avais dit dans la première vidéo que vous pouvez me proposer des teams ou des mecs à tester. Et donc c'est parti, on va commencer ce genre de vidéo donc où je teste des teams. Donc il y a ShadowRose2044 qui nous a proposé de jouer Naruto mode Baryon avec Boruto Kama et Kawaki dans la même team. Donc je sais pas comment je vais faire ce format. Mais on va déjà... Ah oui, donc connexion quotidienne. On a... Et maintenant, une leçon spéciale. Voilà, ça c'est très important. Donc, on va aller dans combat libre. On va aller dans entraînement pour déjà tester les persos. Bon, Naruto mode Baryon, je l'ai déjà testé. Et les deux autres, non. Donc c'est parti. Donc Naruto mode Baryon. Boruto Kama. Et Kawaki. Voilà. Et en face, on va prendre n'importe qui. Voilà, c'est du hasard. La map, on prend au hasard. Une map de plein air, voilà, ça c'est très bien. Côte du Ressac et pas le Yokai, hein, évidemment. Donc, bon, donc Naruto mode Baryon. Voilà, donc c'est un des meilleurs personnages du jeu pour moi. Et puis même d'après les autres aussi. Hein. Donc, Naruto, voilà, il tape quand même plutôt vite. Voilà, ça c'est le shuriken tourbillonnant. Voilà, 38 coups, c'est pas mal. Il peut faire l'orbe tourbillonnant géant quand il est dans les airs. On l'a vu précédemment. Non, je sais pas si je peux le refaire. Ah, il peut faire ça aussi. Voilà. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment pratique parce que du coup ça nous permet de réatterrir sur le sol plus vite et d'attaquer en même temps. Surtout que ça fait quand même des petits dégâts, hein, faut pas sous-estimer. Ok, donc Boruto Kama. Ouais, là donc lui je l'ai pas testé. Hein. Ah, donc. Ouais, il est surtout au corps à corps lui, hein, pour l'instant, avec les attaques normales. Voilà. Ok. Non, non, je vais pas changer. On prendra Kawaki après. Oh bon, c'est à peu près comme Naruto mode Baryon, mais un peu moins puissant quand même. Bah, il fait quand même mal, quoi. Ok, maintenant on va passer sur Kawaki. Bon, Kawaki tape quand même assez rapidement. Ok, donc là on tape. Ok. Non, je ferai pas de combat en ligne hein, pour les pour tester les équipes. Hein. Parce que le problème c'est que les joueurs que j'affronte en général ils ont plus d'expérience que moi vu que moi je commence à peine le jeu. Voilà quoi.
Ah bon, Kawaki, ça va, il est sympa. Ah, technique combinée, donc du coup. Voilà. Donc on va quitter. Ouais bon c'est pas mal du coup. Chaque personnage est sympa même si bon, mon préféré c'est quand même Naruto mode Baryon. Donc on va tester en mode versus. Donc hop. Boruto, Kama et Kawaki. On prend au hasard en face. Hein. Allez c'est parti. Attention à l'abysse. Ah, un peu trop loin. Ah, il fait mal, hein, Naruto mode Baryon, même en tant que soutien, je le trouve plutôt pas mal. Ouais, en tant que support, ouais. Bah bon, quand ça rate pas, c'est pas mal. Ah d'accord. Ok là ça devrait être bon. Ah il a pas beaucoup de portée en vrai en Naruto mode Baryon comme ça. Mais après c'est normal, il compense avec son arbre tourbillonnant géant. Avec ça. Allez, au revoir. Le vainqueur a été déclaré. Par contre, t'as fait que des galipettes. Attends, moi aussi, je peux en faire. Hein. Allez, vas-y, on tape. Ouais, pas mal. Allez, vas-y. Bon, par contre, du coup, Boruto, il est pas dans la cinématique. Mais elle est pas mal, la cinématique Kawaki et Naruto. Ouais, pas mal. Ma détermination est sans faille. Rien ne peut m'arrêter. Et ben voilà. Donc c'était une petite vidéo comme ça. Donc si jamais vous voulez que je teste des persos ou des équipes entières même, bah je peux le faire tout simplement. Alors en plus, moi c'est la vie d'un débutant. Donc c'est pour ceux qui débutent le jeu, bah, mon avis pourrait peut-être vous aider. Donc l'équipe actuelle, l'équipe que je viens de tester, elle est pas mal. Mais c'est surtout Naruto mode Baryon qui fait le taf. Hein, parce que bah, Boruto et Kawaki sont très forts aussi. Mais bon, Naruto mode Baryon est tellement plus pratique à jouer, il fait tellement plus de dégâts.
Puis bon, là, c'est vrai que j'avoue que la cinématique elle est sympa, l'attaque combinée est cool. Donc voilà. Donc je conseille cette équipe, elle peut être pas mal. Et surtout même si vous jouez pas Naruto en tant que personnage sur le terrain, mais en tant que support, ça peut le faire aussi parce qu'en tant que support, il est quand même plutôt bon. Voilà. Donc je pense que si jamais vous n'avez pas d'équipe ou pas d'idée d'équipe, vous pouvez tester celle-là. Et je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Voilà. Donc bon. C'était une petite vidéo comme ça sur Naruto. J'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu, abonnement, commentaire. Vous pouvez partager, ça ferait très plaisir. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!